Bonjour à tous. Nous nous rendons compte que les scouts ont leur journée de rentrée. Voilà. Et les guides aussi. Bravo à toi qui es fidèle, et aux servants d'hôtel qui sont là. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui le Père Loïs de Saint-Chamas, qui est l'Institut Notre-Dame de Vie, qui se trouve du côté de, pour moi, pas loin de Savon-de-Provence et de l'école. Donc il est au passage entre Tokyo et Lisieux. Voilà, il donne des cours jusque là-bas. Et il est le nouveau chapelain de la basilique de Lisieux. C'est lui qui ira l'évangile tout à l'heure et qui fera le mail. C'est aujourd'hui la journée des migrants aujourd'hui. Alors nous pensons à tous ceux qui sont accueillis dans nos pays, et puis à tous ceux qui ont des difficultés pour venir jusqu'en Europe. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, sois avec nous. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite vraiment non seulement à la tolérance, mais aussi à la rigueur. Alors nous demandons au Seigneur de venir purifier nos cœurs et nous consoler aussi et nous pardonner. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais dans mes frères que j'ai péché pour penser, pour avoir, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges du Christ, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Thank you.
Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 à 6 ans sont invités à un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit : Serais-tu jaloux pour moi ? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Thank you.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mythes, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu.
Je suis heureux de vous parler aujourd'hui parce que on parle de deux de mes amis, Eldad et Medad. Sont-ils vos amis? Eldad et Medad. On parle d'eux dans le livre des Nombres, au chapitre 11. Je suis à peu près certain que la plupart d'entre vous n'ont jamais lu le livre des Nombres. Enfin, en tout cas, je confesse que pour la première fois de ma vie, je l'ai lu en entier la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, ne vous sentez pas dans un drame sans solution. Il y a une solution, on peut le lire. Eldad et Medad, si vous voulez les voir, il vous faudra aller à Bourg-en-Bresse. C'est pas très loin. À Bourg-en-Bresse, dans la cathédrale de Bourg-en-Bresse, il y a dans la chapelle de gauche, là, une grande croix peinte, dite croix de l'Esprit-Saint. Elle est moderne, elle est peinte avec la technique de l'icône, et dans laquelle il y a un grand nombre des manifestations de l'Esprit-Saint. Tout en haut, il y a la Pentecôte. Et tout en bas, il y a Eldad et Medad, qui chacun se cache derrière un arbre, parce qu'ils ne sont pas venus à la tente de la rencontre. Ils sont restés au camp. Et pourtant, l'Esprit-Saint est descendu sur eux. Ce qui conduit Moïse à pousser ce cri. Ah, si tout le peuple pouvait devenir prophète. Et là, à quoi pensez-vous? Avec ce que je viens de vous dire. En haut de la croix, il y a la Pentecôte. Et en bas, il y a Eldad. Que s'est-il passé le jour de la Pentecôte? Ils n'ont pas bu, mais déjà trop tôt. Ce qui se passe en ce moment, c'est que l'Esprit Saint est répandu sur toute chair. Selon ce que dit le prophète Joël, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Et ils prophétiseront. Ce n'est pas parce qu'il y a dans le récit de la Pentecôte, du Actes des Apôtres, la référence au livre de Joël, qu'il n'y a pas aussi la référence au livre des Nombres. Et c'est ce que nous entendons aujourd'hui. Ah, si tout le peuple pouvait devenir prophète! Que se passe-t-il le jour de la Pentecôte? L'Esprit Saint est répandu de telle sorte que tout le peuple puisse devenir prophète. Et nous voyons ici quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que Josué, le serviteur de Moïse, celui qui était plein de zèle pour le Seigneur, vous vous rappelez, il avait été envoyé en exploration avec 11 autres. Et quand il était rentré, lui avait dit, c'est un très beau pays, allons-y, le Seigneur est avec nous. C'est celui qui nous a promis, entrons-y et il nous le donnera. Qu'est-ce que les autres ont dit? Ils ont dit, ah oui, c'est un très très beau pays. Vous vous rappelez qu'ils étaient rentrés avec une énorme grappe de raisin du Val d'Escol qu'ils portaient à deux avec une perche. C'est le logo de l'Office du tourisme d'Israël. Les explorateurs qui rentrent avec une énorme grappe entre eux. Portés sur une perche. Ils avaient dit, c'est un pays magnifique. Waouh, mais les habitants sont dangereux. Ce sont des géants. N'y allons pas. Quelle est la différence entre Josué et les autres explorateurs? Les uns se demandent quelles sont nos forces pour entrer dans ce pays. Et Josué dit, le Seigneur est avec nous. Eh bien, ce même Josué, un peu plus tard, il a un doute sur le fait que le Seigneur soit avec nous. Puisqu'il dit, ah ben, il faut les arrêter, ceux-là.
Ils n'ont pas fait tout ce qu'ils auraient dû faire. Ils auraient dû venir à l'attente de la rencontre, comme ils y avaient été convoqués. Et voilà que Moïse dit, ah, au contraire, vous voyez comment est le Seigneur. Même à ceux qui ont la tête dure, il envoie l'Esprit Saint. Alors qu'est-ce que nous allons faire devant cela? Qu'est-ce que nous allons dire? Ah bon, le Seigneur, ça va, il est tranquille, quoi qu'il arrive, de toute façon, il envoie l'Esprit Saint. Et donc, je vais prendre l'Esprit Saint, je vais partir avec. Ah oui, mais vous en ferez quoi? Le Seigneur est miséricordieux. Je vais prendre la miséricorde du Seigneur, je vais partir avec. Et vous allez en faire quoi? Vous croyez qu'elle tient en conserve? Vous croyez que c'est quelque chose que vous mettez dans une boîte, dans sa poche, et partir pour faire autre chose? Dans l'évangile, Jésus nous dit, le Seigneur t'a donné deux bras et deux jambes. Mais si tu gardes tes deux bras et tes deux jambes pour toi, ben, il faut mieux que tu sois jeté au fond de la mer. Le Seigneur t'a donné une tête et un cerveau. Si tu gardes ta tête et ton cerveau pour toi tout seul, même avec les meilleures intentions du monde, si parce que tu es en classe prépa, tu ne viens pas à la messe du dimanche, il vaudrait mieux pour toi que tu partes au fond de la mer. C'est voler au Seigneur. Ça ne t'appartient pas, ça ne portera pas de bon fruit. Et même, vous avez vu la description qui nous était donnée dans la deuxième lecture, ben, même toute cette richesse, tu as dormi tranquille, tu as été comblé, tu as même massacré les justes, ben, le Seigneur se le rappellera aussi, mais surtout, toi, tu n'auras pas pris le chemin, tu arriveras nulle part. Le Seigneur ne veut rien faire sans toi. Alors le Seigneur vient à la pêche, il veut envoyer son Esprit Saint sur tous. Il montre que de son point de vue, il est prêt à en rajouter, il va chercher même ceux qui ne sont pas venus. Passage que nous lisions tout à l'heure dans l'évangile, Jésus dit, ne les empêchez pas, personne ne peut aussitôt avoir fait un miracle en mon nom, parler mal de moi, mais aussitôt après il dit, et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, il ne restera pas sans récompense. La moindre chose que l'on fait pour le Seigneur se la rappelle. Peut-être que vous vous rappelez que le Seigneur tient compte des fautes jusqu'à la troisième génération. Et du bien, il tient compte jusqu'à quelle génération? Jusqu'à la millième génération. Vous sentez le décalage? Est-ce que vous avez déjà essayé de compter 1000 générations? Ça nous ramène avant Abraham. Ça veut dire que oui, le Seigneur compte ce que nous faisons et ce que nous faisons de mal, malheureusement, a des conséquences réelles. Ce que nous faisons qui n'est pas dans la ligne du Seigneur a des conséquences réelles. Mais le Seigneur, il a le cœur tellement bouillant qu'il veut en rajouter. Et dès que nous faisons la moindre bonne chose, il vient nous récompenser. Alors tout simplement parce que tu es venu aujourd'hui, dimanche, parce que c'est la résurrection du Seigneur, et que ben, tu ne comprends pas encore tout à fait ce que ça veut dire, mais tu sais que c'est lui. Donc c'est à cause du Christ. Mais cela ne restera pas sans récompense. Je vais finir en évoquant le fait que nous sommes tous sur un chemin dans lequel nous répondons aux appels du Seigneur. Malheureusement pas à tous, mais ici nous avons de quoi nous consoler en nous disant
Le Seigneur est très patient et même quand nous n'avons pas bien entendu un appel, il nous en donne quelques autres pour que nous y répondions et qu'au moindre de ceux auxquels nous répondons, il puisse en rajouter un autre qui va nous combler encore davantage. Il veut nous donner tout son Esprit Saint. Il veut nous associer à lui sur qui a reposé l'Esprit Saint. Chaque bonne chose que nous faisons, c'est-à-dire chaque chose que nous faisons dans la confiance du Seigneur, il nous comble. Mais celles que nous faisons sans confiance à son égard, elles ont des conséquences. Elles nous durcissent le cœur, elles nous éloignent de lui. Il vaudrait mieux pour nous couper le bras, couper le pied, couper l'œil, couper l'oreille. Il vaudrait mieux cela afin de pouvoir enfin accueillir l'Esprit Saint. Seigneur, tu ne te lasses jamais de nous appeler. Permets-nous d'avoir l'humilité comme les enfants lorsque nous nous rendons compte que nous ne sommes pas avec toi, tout simplement de revenir avec cet immense désir de recevoir l'Esprit Saint et de pouvoir être associé à ton œuvre, à toi Jésus-Christ, sur qui repose l'Esprit Saint. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sur le cross, a été crucifié et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, où il viendra juger les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, frères bien-aimés, nous faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes. Le refrain sera « Envoie sur nous la force de l'Esprit et nous serons témoins de ton amour ». Que l'Église travaille sans relâche à la communion pleine et entière de tous les membres du corps du Christ. Prions le Seigneur. Envoie sur
pour que tous les baptisés prennent conscience que le combat spirituel que propose l'Église en tout temps n'a d'autre but que le bonheur et la vie éternelle. Seigneur, tous les scouts, guides et leurs chefs, les parents, qui fêtent aujourd'hui leur journée de rentrée et nous te confions toutes leurs activités et leur cœur. Chemin de la vie éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. D'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce
et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Isabelle Bertin, pour les défunts dont les obsèques ont été célébrées au cours de cette semaine. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous prions aussi pour les enfants malades, spécialement pour Victoire. Par lui, avec lui et en lui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
page 83, le numéro 119. Thank you.
Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Père Gilbert me propose de vous dire quelques mots sur le ministère que j'exerce. Vous êtes au Japon. Donc, depuis 8 ans, je suis professeur dans une université complètement civile. Ce n'est pas une université catholique, ni même protestante. Et les étudiants qui viennent suivre mon cours sont des Japonais qui sont capables de suivre un cours en anglais quand c'est moi qui parle. Et mon sujet, c'est de leur présenter le christianisme dans un cours, dans un autre, la Bible, dans un troisième, l'étude des religions. Lorsque j'ai demandé à des missionnaires de la congrégation américaine de me loger, quand on m'a demandé pourquoi je voulais être au Japon, je leur ai décrit cela, ce poste qui m'est tombé dans les mains, que je n'ai pas cherché. Ils m'ont regardé avec des grands yeux, ils m'ont dit, mais... Nous, ça fait 100 ans qu'on est missionnaire au Japon, on n'a jamais vu une classe à laquelle parler de Jésus. On était chargé de faire des cours de français, on n'a pas accès aux jeunes étudiants japonais. J'en ai 100 par classe. Alors je vous les confie parce que c'est évidemment quelque chose qui me dépasse. Si je suis là, c'est parce que je suis allé consulter des professeurs à Fribourg en Suisse. Je suis sur la route du retour. Et je me rends compte que voilà, le Seigneur a mis cela entre mes mains, mais c'est aussi comme ça qu'il construit son Église, avec des gens qui savent, qui ne sont pas au niveau, et en même temps, auxquels il donne des opportunités incroyables. Donc je vous le confie, et sinon, eh bien je vous attends à Lisieux, je vois que vous avez la Vierge du Sourire, qu'elle puisse vous inspirer de venir puiser à la source de ce que le Seigneur a révélé à Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église. Plusieurs intentions de prière pour cette semaine. Il y a d'abord Alpha numéro 1. Donc il y a encore possibilité tout à fait de venir. Même si on est chrétien, catho, pratiquant, qu'on sait tout de la foi chrétienne, comme l'a dit le Père Loïs, on peut venir voir ce que c'est qu'Alpha pour être évangélisateur après. Donc n'hésitez pas, si vous avez la soirée libre, de venir jeudi soir ou samedi matin. Hier matin, il y avait des personnes qui étaient là. Deuxième intention de prière, à la fin de la semaine, il y a le congrès mission qui est à Besançon. Il y a plusieurs personnes de la paroisse qui vont à Besançon. Cette grande mission, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, déjà plusieurs années. Puis enfin, il y a trois bébés qui vont être baptisés tout à l'heure. Je n'ai pas leur prénom dans ma mémoire, mais en tout cas, confier toutes ses intentions à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de ton travail est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, hein, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Hein. Dimanche à vous, bonne semaine.